Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes mardi, il est 16h aujourd'hui, exceptionnellement. Si c'est la première fois que vous êtes là, ben habituellement, c'est à 1h30 que je vous fais vos petits directs. Aujourd'hui, ben évidemment, c'est le temps des fêtes, on est tous un peu plus occupés et cet après-midi, j'avais un cours de la chimie des couleurs avec mes membres de l'atelier. Bref, aujourd'hui, deux directs et ce que je vais faire aujourd'hui à 16h. Il est 16h heure du Québec, évidemment. Alors, ça va être un direct que je vais vous expliquer un peu comment peindre à la spatule. Je vous donne des petits trucs. Et ensuite de ça, on a un autre direct ce soir à 19h où je vais faire ce soir euh, un petit direct. Et si vous avez des questions à me poser pour ce soir, peu importe le sujet, euh, écrivez-moi les questions et ce soir à 19h, je vais y répondre. Et ce soir c'est le tirage de mon euh, dernier euh, de mon dernier c'est-tu euh, ben, le dernier? Non, c'est pas mon dernier. Mais j'ai ça que je fais tirer entre autres, parce que j'ai un autre petit tirage que je vais vous faire euh, ce soir aussi. Deux choses que je fais tirer ce soir à 19h. Mais pour ça, il faut avoir écrit dans le chat cet après-midi et ou ce soir. Alors, euh, vous avez euh, la question aujourd'hui. Quelle est votre Matériel artistique que vous rêvez le plus d'avoir. Hein? C'est quoi que vous n'avez pas, mais que vous aimeriez le plus. Puis si vous avez même euh, euh, une photo, je ne sais pas si vous êtes capable de mettre, mais écrivez-moi au moins c'est quoi, euh, ce que vous avez vu, et euh, écrivez-moi euh, ce que vous rêvez d'avoir comme matériel artistique. Et là, euh, pas obligé de me dire que c'est cette boîte-là parce que je l'ai fait tirer, là. Ça peut être n'importe quoi, ça ne changera rien dans le résultat du tirage. Ça va être un tirage. Cet ensemble-là, je vous l'ai présenté. Je vais vous le remontrer. Je Ah, te... oh, je lai à tout refermé. Ah ouais. Je vous remontrerai. De toute façon, ce soir, je vais vous montrer le mien. Je ne veux pas l'ouvrir. Pas besoin, il est neuf. Alors, je l'ai fait tirer, mais j'en ai un pareil que je vais vous sortir ce soir. Alors, je vais juste vérifier un petit bonjour à tout le monde. Comment peindre à la spatule? C'est le temps de partager avant que je commence à donner les trucs. Si vous avez. Si vous êtes un artiste, je suis sûre que vous avez des amis qui peignent comme vous. Ou vous connaissez, sûre, connaissez sûrement du monde qui peigne. Même s'ils ne sont pas intéressés par peindre à la spatule, des fois, on est curieux de voir. Alors, gênez-vous pas euh, pour partager. Un beau bonjour tout le monde. Bonjour Lucille. Là, je vais juste vérifier euh, que vous êtes capable de. Que le son est bon, en fait, aussi. En direct. Je vais juste aller cliquer là-dessus. Ah oui! Tout le monde écrit Allô, personne n'écrit, parfait! Maintenant... Ah là je vois Nancy Lise, euh, les petits bébés, les petits cœurs, c'est cool, vous êtes fines. Bonjour, Céline, Lise, Jocelyne. Acrylique! T'as pas d'acrylique, Jocelyne? Je suis surprise. Ah, Jocelyne, elle fait partie de l'atelier. T'es toujours à l'huile. J'avais jamais réalisé, tu vois. Pastel sec de qualité. Oui, oui. Il y a beaucoup de, de, de. Il y a beaucoup de différents. Euh, qualité dans, la, dans la, le pastel 7. Je m'en allais dans le pastel sec. Je m'en allais dire aquarelle. J'ai vu passer aquarelle. <laughs> ah, C'est le fun. Je suis contente de savoir ce que vous avez. De l'aquarelle et des crayons pastel. Et hey, de l'aquarelle, hein? Je te le souhaite. Euh, Diane Beaulieu, bonjour. Tout ce que vous partagerez avec nous. Mais ben non, 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 non. Là, je veux savoir, c'est quoi vous rêvez? Je veux savoir, vous, là, c'est quoi vous rêvez? Il y a sûrement quelque chose. Ouh, tu sais, ça n'a pas besoin d'être gros, là. C'est juste, je suis curieuse. À quoi vous rêvez? Tu sais, il y a des affaires, des fois, qu'on rêve, là, puis on fait « Ah, me semble ça, ça serait le fun. J'aimerais ça essayer ça. » C'est juste ça je veux savoir. Je veux savoir vos rêves, là, que vous souhaiteriez. Mettons vous auriez à écrire au Père Noël, là, des fois. Ginette a dit « Mon rêve, c'est les crayons aquarelles que tu as démontré l'autre jour. » Ah, oh, la boîte, là, des crayons aquarellables? Sérieusement, il faut que je la retourne chez Dossard, puis j'y ai pensé plusieurs fois en me disant « Je l'ai dans les mains, je la garde dessus, puis je la paye, puis c'est tout. » Eh, qu'est belle, est vraiment belle. Mais tu sais, j'ai des crayons intenses. J'ai aussi des crayons aquarellables déjà de ça dans une boîte. C'est pas les mêmes, mais tu sais, à un moment donné, c'est assez. Hein, tu sais, j'en ai en masse pour m'amuser. Mais euh, quand je les ai essayés, j'ai fait oh, ils vont bien. <laughs> je sais, la boîte là était vraiment belle. Euh, bonjour Muriel, Chantal, Claudine. Alors euh, des pinceaux Nobel. Ah, oh, le rêve, Georgette. Elle dit, mon rêve, c'est puis de la peinture d'acryl. Ouais, je te comprends. Les pinceaux Nobel, euh, je pense que tu peux en avoir, hein. Parce que. Mais. Euh, peut-être. Ah oh non, peut-être pas. En tout cas. On verra. Mais peinture à l'huile, à l'eau, oui. T'as la marque Artisan, puis t'as la marque Cobra qui existe. Euh, Puis il y a une compagnie aussi. Il y a trois compagnies, là. Euh, une, une j'avais oublié l'autre fois. Euh, J'imagine ben, qu'il existe encore, mais en tout cas. Euh, avoir la recette pour faire du pouring fluide acrylique. Oh, bonne question. J'ai aucune idée. Je savais pas que tu pouvais le faire. Je sais pas, ma belle Bibiane. Je suis désolée. Hey, je sais pas tout. <laughs> ben, tu sais, le pouring, je l'ai exploré en début d'année. C'était la première fois que j'en faisais. Je vous ai fait un vidéo que c'est quasiment un blooper, cette vidéo-là. Moi, ça, ça ne me dérange pas, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Puis, euh, cette fois-là, ben, euh, c'est ça, c'était du SRR. Mais euh, Pouring, je suis sûre que dans ma gang, si tu vas, Bibiane, sur mon groupe là, privé, euh, Céline, cours de peinture avec Céline, maître de la couleur, euh, pose la question. J'ai deux, trois pros du Pouring dans ma gang. Ben, je dis deux, trois, sûrement d'autres, mais j'en ai qui font beaucoup de Pouring, puis qui pourraient peut-être la donner. Je pense entre autres à Joanne ou à Odette peut-être qui savent ça, puis qui n'en font quand même pas mal. Je ne sais pas si on la recette, j'ai aucune idée. Je savais pas qu'on pouvait le faire euh, nous-mêmes. Pouring fluide, fluide, la... avoir de l'acrylique fluide, ouais, ça l'acrylique fluide. Et puis la... Bibiane, d'acryl, est accessible, hein, puis elle est tellement de bonne qualité, c'est incroyable. Ensemble complet pastel, des bons pinceaux. Louise, les bons pinceaux, là, faut que tu t'en payes un à la fois. Tu sais, c'est comme les pots de peinture là, de qualité là. On s'en paye un à la fois. Tu sais, une fois on va chez Serre, on achète un. Un bon. Pas 25. Un. Puis je te le dis, là, à la fin de l'année, tu vas avoir un beau paquet. <laughs> on s'en paye un de temps en temps. Tu sais, des fois, je me retiens, puis je suis comme non, j'attends. Ou avec la carte de pointe de Serre là. Moi, c'est là que je me payais un tube. <laughs> J'attendais, puis à un j'arrivais, puis là, j'arrivais à la caisse, puis là, quand elle me disait le montant de mon tube que je souhaitais. Yes! On échange les points. Je ne sais pas si c'est niaiseux, mais juste le fait de savoir que je pouvais me payer un tube avec ça, j'aimais ça au bout. Encore acrylique, les pinceaux langue de chat. Ouais, puis Windsor et Newton, font une belle. Euh, ils ont une belle. Euh, des langues de chat, là. Windsor et Newton, j'aime beaucoup ces pinceaux-là. Peindre des paysages. Hmm? Pas sûr, tu as compris la. Ah, oh, tu rêves de peindre des paysages. Moi, mais là, je parlais de matériel artistique. Mais OK, mais quand même. Tu rêves de peindre des paysages, Claudette On va, non, on va faire un semblant de paysage aujourd'hui à Spatule. Je vais vous faire, euh, en tout cas, on va faire un genre de paysage. Ça va être semi-abstrait. Je vais faire comme la mer un peu avec l'écume puis un coucher de soleil un peu. Ça va être très simple, très euh, léger, mais euh, je vais vous montrer ça. Alors. On va euh, embarquer avec ça. Ah, c'est cool! Je ne peux pas toutes les lire, il y en a plusieurs. Mais continuez à les écrire, c'est sûr, je vais toutes les lire. pan pastel. Ah, oh, papier. Pa hey, Panne pastel, là, euh, en passant, Golden vient d'acquérir euh, pan pastel. Hein, fait qu'on va les voir sûrement apparaître dans Pas long. OK, parfait. Fait que tirage ce soir de ça. Écrivez dans euh, le chat. Moi, ce que je vais faire tantôt, je vais imprimer, découper tout ça avant le prochain direct. Et euh, crayon à l'huile Faber-Castell, ah oh, Solange, je te comprends. Bon, il faut que j'arrête de lire. <laughs> on va commencer. Je vous transfère ça avec ma vue en plongée pour peindre à la, à, à la spatule. C'est pas tellement sorcier. Mon Dieu, je viens de voir, <laughs> j'ai tassé ma table pas à peu près. Ok, on se rit en ligne. Elle <laughs> sur roue ma table. En hein? fait, que des fois je la pousse puis avant un direct je la ramène tout le temps, mais là euh, j'avais oublié de faire ça. Alors pour peindre à la spatule, évidemment ça vous prend de la peinture. Peindre à la spatule, vous pouvez le faire avec la peinture à l acrylique, la peinture à l'huile, mais je vais être bien franche avec vous, je trouve que c'est quasiment un sacrilège de peindre avec la spatule pour la peinture à l'huile. Et je vous explique pourquoi. C'est que quand on peint à l'huile, la richesse de l'huile, la beauté qui fait que l'huile est particulière, c'est que la peinture à l'huile, c'est sa transparence. À cause de l'huile, cette peinture-là, il y a une certaine transparence. Et là, de peindre à la spatule, qui est supposée d'être opaque parce qu'on en met bien épais, c'est qu'on perd toute, toute la richesse qu'on devrait pouvoir utiliser dans ça. Mais c'est sûr et certain qu'il y a une certaine luminosité, c'est plus brillant un peu à, à cause de l'huile, justement. Ça donne une texture un peu différente, mais je trouve que c'est quasiment un sacrilège de peindre à la spatule. Mais en même temps... Si vous voulez peindre à la spatule à l'huile, pas trop, mais c'est beaucoup plus long à sécher. Et n'oubliez pas que plus vous en mettez épais, plus c'est long à sécher, surtout la peinture à l'huile. Et vous augmentez des fois les chances peut-être que ça craque. Mais euh, allez-y, mais pas trop épais quand même. Alors, pour peindre à l'huile, moi je vous. Euh, pas à l'huile, pour peindre à la spatule, je vous suggère fortement d'y aller avec la peinture acrylique. C'est sûr qu'on ne sera pas dans les nuances puis dans les glacis. On est dans l'opacité en principe. Et euh, si vous manquez de peinture, un petit truc, c'est d'y aller avec des médiums. Alors, vous pouvez utiliser une, euh, un médium gel, un médium acrylique. Puis je vais vous expliquer pourquoi je vais vous le montrer même. Là, je viens de penser à ça. Je n'ai pas euh, amené avec moi. Je vais juste. Donnez-moi trois secondes. Wouhou! Donnez-moi trois secondes, je vais juste voir. OK. Je vais aller chercher mon petit médium. Je me suis mis deux pots là, au hasard. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que les médiums, euh, que ce soit des gels ou que ce soit euh, de l'empattement, ça peut vous servir, surtout quand vous peignez à la spatule, pour pouvoir créer plus de texture. Puis c'est ça qu'on veut quand on peint à la spatule hein. euh, on veut de la texture, on veut sentir de la vie, on veut que ça soit euh, vibrant. Alors, c'est sûr que ça va vous aider. Alors là, ah, je suis contente. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas ou ouverts. Là, je vais juste vous montrer au niveau de la différence euh, de ce que vous pouvez faire au niveau de la peinture avec vos médiums. Les médiums, des fois, vous allez dire, oui, Céline, ça coûte cher les médiums. Ben, ça coûte cher, mais en même temps, c'est que ça va te coûter pas mal moins cher que ton pot de peinture. Tu sais, si je prends, par exemple, ce médium-là, tu sais. Si je prends mon petit pot de peinture, là, puis que je l'utilise, puis je veux faire une toile, regardez la, la largeur du pot de peinture, je peux passer un pot de peinture facile sur une petite toile. Tandis que la quantité que j'ai pris là, pour mon gros pot, qui est à peu près le même prix, bien, si je le mélange avec mon médium, j'ai ma couleur. Là, ça fait plus pâle parce que c'est un gel, il est laiteux, mais en séchant, il devient transparent. Fait que si vous voulez avoir un peu de transparence dans votre toile, vous utilisez. Un gel qui est gloss, fait qu'automatiquement il va devenir transparent, vous allez sentir une certaine transparence, une certaine légèreté, et euh, quand vous allez peindre à la spatule. Sinon, allez-y carrément avec peut-être un gel qui est mat, Le gel mat lui, va être plus opaque automatiquement. Alors à ce moment-là, vous allez avoir plus d'opacité, mais vous n'aurez pas besoin d'avoir autant de peinture pour une grande quantité. Et vous allez pouvoir avoir la texture. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas peindre avec votre, votre peinture acrylique directe. Oui, vous pouvez, mais sincèrement, vous allez avoir bien plus de fun pour votre texture si vous mettez ça avec des médiums. Regardez la quantité que je viens de faire par rapport à la quantité de peinture que j'avais. Je vais pouvoir m'amuser pas mal plus longtemps. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, vous avez les gels qui sont élevés, les gels de structure. Ceux-là, on peut les faire. Un peu plus épais, plus massif. as un peu, je vais essuyer ma spatule. Fait que ce qu'on peut faire, comme ça, regardez le gel. Ça, c'est le gel Evema de, de Golden. J'adore les, les produits de Golden. Golden, PBO, Liquitex, ces trois marques-là. Là, ces trois marques que je connais et que j'aime que beaucoup. Je trouve la qualité est là. Ça ne veut pas dire que parce que je n'utilise pas les autres, je ne les, je les connais pas. Euh, Puis il y a de, celle de Dacryl. Je, je m'en allais l'oublier. Celles de d'acryl, ils vont être un peu plus minces pour avoir des choses plus nivelables. Tu sais que quand que ça va. Euh, quand ça va sécher, ça va être moins des gros pics, là. Alors, euh, vous allez voir, euh, chaque compagnie a leur particularité, mais je vous dirais que la dacryl est vraiment différente. Fait que si vous voulez quelque chose de doux, ben prenez celle de d'acryl. Si vous voulez quelque chose avec plus de texture de pic, regardez ça. Ah, attendez un peu. Regardez le côté, là. Regardez ce qu'on peut faire comme épaisseur. C'est fou, là. Tu sais, j'ai le, le, le soft gel à gauche, puis j'ai le heavy gel à droite. Fait qu'on s'entend que je peux aller me faire de la texture, mais pas à peu près avec celui-là. Alors, euh, là, aujourd'hui, je vais utiliser lui, mais je vais utiliser celui-là aussi. Ce que je vais faire, je vais juste fermer ça. On va mettre... essuie ma spatule. Je vais préparer mes textures pour vous montrer les petits trucs aussi. Ah, J'ai oublié de remettre. Je t'ai disparu tantôt. Euh, je vais m'en faire un peu plus pour la grandeur de ma toile. Parce que je le sais, quand on peint à spatule, on en met un petit peu. Hein? Un petit peu pas mal. Euh, puis je verrai au pire. Voyons mon couvert. Mon couvert est disparu. Ah Il est en dessous. <laughs> je le mets pas trop loin de mon cœur. Parce que c'est sûr que je avoir besoin encore, mais quand même. Ça, c'est la première des choses. Je mélange ma peinture avec mon médium. Je vais regarder si vous avez des questions aussi en passant. Hein? Je n'y pas. Puis, je vais essayer de remonter dans le chat. Puis, comme je vous dis, vu que je fais deux directs aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir euh, les deux. Euh, je vais pouvoir y revenir. Tu sais, je vais regarder les questions. Là, c'est sûr, je vais mettre un petit peu plus de peinture quand même parce que je ne le veux pas trop transparent non plus. Mais je ne passerai pas mon tube au complet pour remplir la toile. C'est ça qui est merveilleux. Fait que je le mélange. Si je veux quelque chose de plus pâle, ben j'ajouterai un peu plus de blanc. Là, j'ai mis ma couleur pure pour commencer. Fait qu'idéalement, idéalement, on se prend quand même une spatule assez large. Hein? Plus vous allez avoir des grandes quantités de peinture ou de médium à mélanger, mieux c'est d'avoir une grosse spatule. Si vous prenez une petite spatule comme celle-là, ben là. Euh, on s'entend pour mélanger, vous allez brasser pendant longtemps. Fait que plus votre spatule est grosse, mieux c'est pour mélanger des grosses quantités. Quand vous allez peindre, si vous voulez peindre à la spatule, je vous suggère d'avoir au moins deux à trois spatules. C'est beaucoup plus facile et agréable. Il euh, y a De Serre qui a un petit kit avec le manche noir comme ça, là, qui est vraiment fantastique, puis qui ont cinq euh, spatules différentes. Beau kit, bonne spatule, je les aime beaucoup. C'est un kit vraiment le fun pour peindre. Et ce qui est le fun à avoir, si vous peignez de plus en plus, regardez cette spatule-là. Celle-là aussi, c'est chez sel que je l'ai pris. J'en ai une autre. Je ne sais pas si c'est de sel aussi. Oui. La 43-44, numéro 43-44, regardez, ils sont plus courts. Il y en a une plus courte que l'autre. C'est vraiment le fun, ça. Quand on veut faire des, du, des lignes nettes, là, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment le fun à avoir. Ça n'en prend à une de même. Et la petite comme ça me permet d'aller faire des rondeurs, des... des... j'ai une meilleure dextérité pour des petits détails. Et ça vous en prend une plus grosse pour quand vous voulez appliquer. Là j'ai celle-là, ça peut être celle-là aussi qui est le fun pour aller gratter, pour aller faire des formes. Euh, vous allez voir, il y a des spatules que vous allez aimer plus que d'autres, puis il y en a que vous allez pouvoir carrément vous amuser. Il y en existe tellement des sortes de spatules. Là je regarde dans mon pot, ben, j'ai un pot avec plein de spatules là. Au début, je n'avais pas tant que ça, mais c'est ça. Hein? D'une année à l'autre, on en rachète une de plus en plus. Il y en a vraiment de toutes les formes. Fait qu'il faut se laisser aller, mais ça vous en prend deux, trois si vous peignez à spatule. C'est tellement plus fun. Alors là, je vais avoir besoin de mon blanc de titane pour me faire un mix. Et le truc, parce que je veux avoir du, du turquoise, mais pâle, le truc pour avoir du turquoise pâle, c'est pas de mettre mon blanc dans mon turquoise. Non, c'est juste de prendre le restant que j'ai sur ma spatule ici et de le brasser. Je vais l'écraser comme ça. Fait qu'en commençant majoritairement par du pâle, ben c'est sûr que ça va me donner une couleur pâle. Euh, là, j'ai mis de la peinture, hein? J'ai pas mis de gel, je pense à ça. <laughs> ça va me prendre un petit peu de gel. Putain, euh, je vais tricher, je vais en mettre un peu plus. Lui, il a eu du gel, fait qu'il est moins pur que juste la peinture. Parce qu'il y a beaucoup de gel. C'est pour ça que ça fait pas si. La quantité que j'avais là, si ça avait été de la peinture, ça aurait été quasiment la même couleur que ça là. Là, ne l'est pas. Pourquoi Parce que c'était principalement du gel. Tu sais, j'ai pas mis beaucoup de peinture. Mais là, ça, c'est parfait. C'est ça que je voulais. Bon, fait que je vais commencer avec ça pour vous montrer, oups, un petit peu comment appliquer. <laughs> J'essaie de nettoyer ça, mais je suis en train de me beurrer là. Alors, on met ça là. Alors, quand que vous allez peindre à la spatule, évidemment, ça vous prend une couche de gesso avant. Blanc, transparent, euh, noir, c'est comme vous voulez. Vous allez voir. Et là, vous allez commencer votre spatule. Puis, on va aller chercher avec le côté de la spatule. Je, au début, je remplis jamais au complet ma spatule. Fait que ce que je fais, je vais chercher. Puis, regarder comme ça. Un peu comme quand vous beurrez. les. Pensez à quand vous beurrez vos tasses, mettons, avec du beurre de pinot. C'est un peu le même principe. Si vous voulez couvrir l'âge, ben là, vous allez en mettre l'âge. Fait que la première chose, je vais juste le déposer là où j'en veux et je vais descendre vers où je veux l'avoir. Fait que vous allez avoir un contrôle. Plus vous allez, je vais juste vous montrer, si je fais juste gratter de main de côté, même si j'en ai un peu, ça, il n'y a presque rien qui se dépose. Plus je vais pencher ma spatule, plus il va en avoir épais. Fait que si vous n'en voulez juste un peu en surface, vous allez pencher rien qu un qu'un peu. Plus vous allez pencher votre spatule plus il va en avoir épais. Et à la fin, bien là, c'est sûr, je n'ai de moins en moins. Regardez, si j'en mets épais, je fais juste y aller comme ça, ça en dépose. Mais si j'y vais comme ça, je fais juste effleurer, mais il y en a pas mal plus épais. Regardez la texture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. ouais on voit un petit peu. Voyez-vous l'épaisseur? Il y a une différence. Mais là, après ça, c'est à vous de vous amuser. Si vous voulez en avoir, puis faire des, des coups de pinceau, euh, pas de pinceau, mais des coups de spatule, vous voulez de la texture mais là, vous pouvez vous amuser en masse. Le sens a une grande importance parce que c'est ça qui va influencer tout le mouvement que vous allez avoir dans votre toile. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça ne sèche pas super vite quand vous mettez beaucoup de médium. Fait que ce qui vous arrive, c'est que vous pouvez rejouer dedans avec votre spatule. Alors, vous allez pouvoir donner le mouvement que vous voulez. Fait que moi, je pourrais arriver comme ça, me faire un genre de mouvement de vague. Comme ça. Et je vais juste le laisser et je vais juste remonter ici et je vais me faire juste des petites tâches. Fait qu'il faut s'amuser un peu comme, comme dans un gâteau quand vous voulez faire. Euh, regardez, là, je peux même faire des genres de vagues. Là, si ça ne marche pas, je m'en reprends, j'en dépose plus large et je pourrais aller jouer. Fait que c'est un peu comme du ciment. C'est le même principe. C'est à vous de décider de l'épaisseur, du mouvement que vous voulez. Mais. Vous allez pouvoir vraiment faire votre gestuelle que vous désirez là-dedans. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier, ça va prendre des couleurs qui varient aussi. Là. Dans le bas ici, euh, ouais, je vais ici. Et là, ici, je vais juste effleurer. Je vais mixer. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, on va faire une semi-abstraite. Parce que je m'inspire d'une photo. Mais j'y vais... Puis j'essaye de lâcher prise. Il n'y a rien de mieux pour lâcher prise, puis d'essayer de ne de pas avoir le contrôle sur tout que de faire à la spatule. Si vous voulez apprendre à lâcher prise dans la vie, je vous jure, vous allez l'apprendre assez vite. Puis, il faut aussi tout le temps, comment je pourrais dire, écouter la toile. La toile vous parle, elle vous donne des inspirations, elle vous crée des choses. Bien, utilisez-les à votre service, comme on dit. Alors là, ici, je vais juste me remettre un peu de plus pâle. Parce que je veux commencer à penser tranquillement à une transition vers l'écume. Fait voyez-vous, il y a des places. Ah, Imaginez-vous, si ça sèche comme ça, là, on va l'avoir, la vague. <laughs> Puis, je vais pouvoir l'enlever. Tu sais, si je trouve que c'est trop gros, tantôt, je vais pouvoir l'enlever tout simplement. <laughs> euh, je vais juste voir. Des spatules diverses. Dans Golden, que t'as, Marie-France, je viens de voir un ensemble de peinture acrylique Golden. Ah oui, l'ensemble de peinture Golden, ben oui, je te comprends, <laughs> je te comprends tout à fait. Alors là, euh, j'ai commencé à mettre ça. Maintenant, je vais faire une transition un peu avec du bleu. Je vais mettre un peu de bleu et je conserve encore mon médium. Et comme je vous disais tantôt, tiens, je vais me prendre un peu du médium qui est le plus épais parce que je veux que ça soit texturé. Dans le haut. Et ça me fait beaucoup plus de peinture. Hein? J'ai pas besoin de tant de peinture que ça avec le médium à ce moment-là. Je m'en vais dans le plus pâle tranquillement. Fait que je vais aller me faire, je vais juste déposer ici. Un petit peu. Je m'amuse avec les couleurs. J'ai pas besoin parce que j'en mets moins paix parce que. Je veux que aies tranquillement avoir l'impression que je m'en vais plus loin. Fait que je veux donner une impression de perspective. Fait que c'est pour ça que j'utilise ce type de bleu-là. Elle dit « J'aime le lâcher-prise, l'expression du lâcher-prise. » J'ai peut-être manqué une expression, c'est la mienne que tu parles. <laughs> Nancy a dit ça. Oui, ça... t'as pas le choix de lâcher-prise, hein. Faut vraiment... Euh... Avec la spatule, là, euh, mon blanc qui me manque. Il ouais, faut que je me rajoute un petit peu de blanc. On va voir le résultat tantôt. Alors, un peu de blanc ici, je vais le mettre juste au début. Comme ça, je suis sûre d'avoir du plus pâle. Parce que je veux m'en aller de plus en plus. Il a l'air quasiment turquoise. Hein? J'ai mis du bleu, mais avec l'éclairage, ça donne un peu cet effet-là. Et là, j'y retourne. Alors, J'en mets. Si vous, voulez, pas, hein, si vous en voulez, n'oubliez pas, Si vous en voulez, mettez-les plus au début. Allez toujours dans le sens. Tu sais, vers le sens contraire de, du sens que vous voulez aller. Comme là, j'en ai mis sur le bord ici. Je m'en remets. C'est contraire. C'est un peu l'inverse de quand qu on peint avec le pinceau. Avec le pinceau, il ne faut pas trop charger, sinon, ça fait des motons. Tandis que la spatule, c'est le contraire. On en veut épais. Plus vous allez en mettre épais, mieux ça va être. Plus que vous allez avoir des effets et des. Vous allez avoir de la texture, du mouvement. Tiens. Juste comme ça. Et là, euh, je voulais trans tranquillement m'en aller vers un petit violet. Légèrement. Mais là, j'ai pas besoin de grand chose. Je me prends juste une petite goutte parce que c'est puissant. Hein? Les rouges. Puis là, je suis dans le Crimson. Qui va être un petit peu transparent. Je vais avoir un petit effet violacé. Je mixe avec. Mon bleu. C'est pas ça, que je voulais. Je voulais de quoi de plus? Magenta. T'en un peu. Je vais aller me chercher mon magenta. Même quand je fais juste me faire. Euh... <laughs> Merci, Jocelyne, c'est gentil. La première fois pour toi, pour la spatule ou avec nous? Il me semble j'ai déjà vu ton nom, à moins que ça ne soit pas la même. Ah, oh, merci, Céline. Sandra, c'est super gentil, les étoiles, je viens de voir. Ah oui, la spatule, il ne faut pas la, la négliger. Hein? Ça, Puis, ça fait du bien de peindre à la spatule parce que des fois, là, je ne sais pas s'il y en a par vous qui sont un peu euh, parmi vous. Je saute des mots, là, je suis trop énervée, je veux trop dire d'affaires en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui sont euh, parmi euh, vous, comme moi. Il y a des fois, puis je dis comme moi, pur maintenant, mais je me souviens à mes débuts, ça m'est arrivé souvent, je peignais, puis mon dieu, j'avais chaud, j'étais crispée, puis là, je sais, je... Hey, je sais pas si ça vous arrive, là, mais si ça vous arrive, là, merci Carole, j'étais super fine, Si ça vous arrive, là, dites-vous qu'il y a un problème, dans le sens que c'est peut-être que vous peignez, puis que vous avez de la pression, puis ça, de la pression, c'est jamais bon avec la peinture, parce que vous cassez carrément l'effet. L'essentiel, le, dans le fond, de la créativité. Si vous voulez rester créatif, mettez-vous pas de pression. Si vous avez une commande, ça vous met de la pression. Il y en a qui sont bien avec ça, tu sais, qui, qui y arrivent bien, excusez, je viens de voir, euh, qui, qui sont corrects avec la, pré, la pression de, de faire une commande. Si vous avez une commande, faites pas de commande, faites des surprises à la place. Sinon, mettez des conditions que vous êtes totalement libre. Ou des fois, vous vous mettez vous-même une pression. Fait que la spatule, on n'a pas le choix de la surprise. On ne peut pas se faire de pression vraiment parce que. On n'a pas le contrôle de tout ça. C'est sûr qu'à force d'en faire, vous allez avoir un meilleur contrôle. Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez, mais euh, on l'a pas toujours, toujours, toujours. Alors euh, c'est pour ça que je sais plus ce que je disais. <laughs> J'étais partie dans un sens, puis là j'ai, je sais plus. Distraction, puis j'ai complètement oublié. Ah, mon fameux TDAH qui n'est pas diagnostiqué. <laughs> y a-t-il un docteur dans la salle <laughs> Je pense qu'ils vont me le confirmer. Oui, Céline. <laughs> bon, là j'ai pris magenta parce que je veux un beau, euh, un beau violet. Je vais y aller avec le turquoise. Tiens, je vais faire un petit test. D'après moi, il va être beau avec ça. Turquoise. Oui, c'est ça que je voulais. Voilà. Hein? Comme qu'on dit, euh, comme que dans l'annonce, Mona ne bouge plus. La Mona Lisa, hein? c'est ça qu'on veut là. Yes, mais ben, c'est ça que moi je voulais. Puis vous allez voir, ça va, hey, c'est violet, hein. <laughs> c'est ça que je voulais, mais euh, je le voulais un peu plus pâle. Fait que je vais mettre plus de blanc. Voyez, <laughs> euh, oui, hein, c'est ça. Vous êtes plusieurs, hein, Se met de la pression. mais <coughs> ben, on veut bien faire, tant qu'à peine, on veut quelque chose de beau. Mais en même temps, c'est ça, faut pas trop se stresser, faut pas euh, faut pas s'en faire non plus. Puis il y a une chose que je répète souvent, puis je pense que je ne le répéterai jamais assez tout ce que vous allez faire dans une toile, là, ça se corrige. Que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique, si vous ne connaissez pas les trucs, je vais vous les donner. Mais tout se corrige. Dites-vous que si. Puis des fois, on fait quelque chose, puis on se dit Oh non, je serais plus capable de le refaire, je l'ai réussi tantôt, puis là, je viens de le gâcher. Moi, mon mari m'a dit une chose une fois. Puis mon Dieu que ça a réglé bien les affaires. Je ne sais pas pour vous si ça va vous aider, mais je vous la par... Je vous la... la transmets, cette petite phrase-là, qui, moi, m'a changé vraiment un peu au niveau de, mon... de ma peinture. J'avais fait de quoi, puis il m'a dit Tu peins plus depuis quelque temps J'ai dit Oui, j'ai juste peur de ne plus refaire aussi beau que ce que j'avais fait la dernière fois. Savez-vous ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit Céline, as réussi une fois, c'est sûr, tu vas être capable encore. C'est encore la même personne. Il a dit, « Tu as réussi une fois, tu vas réussir encore là, la prochaine fois. » C'est simple, là, vous allez dire. Là. Mais mon Dieu, pour moi, ça a tout changé. J'ai fait ta belle raison, puis je me suis remis à peine. Des fois, ce n'est pas grand-chose comme ça, mais il faut, faut se donner la permission de manquer notre coup. Mais il faut se dire, faut se faire confiance, puis il faut se dire, hey, « Je l'ai déjà fait un beau tableau, c'est sûr, je vais réussir. » Mais pas juste réussir, c'est sûr aussi que si vous n'essayez pas, bien, vous ne risquez pas de réussir. Hein? Ça, c'est connu dans n'importe quel milieu, si vous essayez pas, ben vous risquez pas de réussir. Puis dites-vous que c'est garanti que vous allez manquer votre coup à un moment donné, parce que moi, ça m'arrive encore. <laughs> Mes élèves, des fois, ils peuvent vous le dire. Des, ça arrive de moins en moins souvent, c'est sûr, parce qu'avec la pratique, mais <laughs> ça m'arrive comme tout le monde. Bon, mon petit. Euh, là, je vous parle, puis j'ai pas fait exactement ce que je voulais. C'est pas grave. Je suis en train de le manquer mon coup en vous parlant de manquer mon coup. <laughs> mais c'est pas grave. Je suis dans le semi-abstrait. Puis la toile. Et je vais juste m'en répéter. N Oubliez pas de faire votre rappel, hein? Vous n'êtes pas obligé. Un petit rappel de couleur de temps en temps. Sans tout faire pareil, pareil. Et là, je veux me faire une ligne nette. Je peux aller juste avec le côté, m'en mettre une ligne nette. Ou le. Ce qu'il y a de mieux, c'est de prendre la fameuse petite spatule de tantôt que je vous parlais. Regardez celle-là, là. là. Et là, je vais pouvoir me faire une ligne plus nette. Ceux-là, j'aime ça les utiliser souvent quand c'est sec. Mais sinon, je vais juste le déposer. C'est un peu moins évident. Mais ça me permet de ne pas en mettre partout. Fait que je ne scraperai pas sais. Regardez, là, j'en ai mis, mais juste là. Ah, vous l'avez vu, hein? Parfait. Tu sais, ça me permet de vraiment faire les lignes à des endroits précis. Puis de ne pas aller en mettre ailleurs, là. Parce que si on a. Tiens. Hey, je ne sais pas si vous voyez là. Regardez si ça fait beau. Je pas, attends, un peu, je vais vous le mettre plus proche. Regardez les petits, petits reflets. Ça fait de l'eau, ça fait l'écume un peu dans le bas. Je vais pouvoir venir jouer là-dedans tout ça. Alors, euh, ça, c'est pour mon violet. Et là, je vais tranquillement faire un switch pour la mer. <laughs> J'ai fait tellement d'eau de splash. Je suis pas sûre que je vais avoir une mer conventionnelle, mais c'est pas grave. Au pire, ça me fera une, une toile abstraite. Puis, euh, je vais vous avoir montré un peu la technique. Alors, le Mont Bleu, je vais mettre un soupçon de mon Turquoise dedans. Ouf, un soupçon que j'ai dit. J'y allais fort. Là, je ne suis pas trop dans la texture. Puis, gênez-vous pas de temps en temps pour tourner la, la toile. Surtout quand on est à la spatule, des fois, la dextérité, elle va être plus facile à atteindre. Et là, je vais juste écraser pour faire une ligne plus nette, pour faire comme la ligne d'horizon. Et là, je vais juste le descendre vers le bas. Je le glisse tranquillement. Ça me permet d'étendre ma peinture partout. Et ensuite de ça, ça va être super important pour gérer le sens de la peinture, ce qui est, ce qui est souvent un problème. Hein. Des fois, euh, au pinceau, là, je le vois tout de suite. Bien, même à la spatule, on le voit tout de suite. Là, mais... Des fois, je le vois, je le dis Ah, oh, t'as pas peint dans ce sens-là, t'as peint dans l'autre sens. Mais l'œil va le voir, même si vous pensez qu'il le voit pas. Regardez, là, je passe de façon horizontale parce que je veux qu'on voit le sens de, ma... de la mer. Regardez, ça change tout. Sinon, ça aurait créé un mur. OK? Et à la fin, quand on a de l'eau de la mer, on met toujours une petite ligne très foncée. Oups, je vais y aller un peu plus fort. Et là, je fais juste glisser tout le long. Si ça ne marche pas, je vais juste pencher ma spatule un peu. Regardez, je donne un angle. Moins il y a de peinture sur le bord, plus je vais pencher pour aller chercher ma peinture. OK, comme ça. Et pour avoir un bord de mer, ça prend toujours la petite ligne très lumineuse au loin. Si vous regardez une photo, vous ne le verrez pas le trois quarts du temps, mais si vous êtes en plein air, c'est sûr que vous allez le voir. Et je mets du blanc, mais jamais du blanc pur. Toujours un blanc avec une petite teinte de quelque chose. Là, j'ai presque pas de peinture. On va essayer de voir comme ça. Si je le penche. Ouais, là, je fais ma ligne avant même d'avoir fait mon fond. C'est pas grave. Au pire, je repasserai quand ça sera sec. Habituellement, c'est juste une petite ligne comme ça. Puis c'est ça qui va donner l'illusion d'horizon. Ouais. Je pense que je vais aller faire mon ciel avant. De toute façon, on va repasser et le ciel un petit peu de nuage, fait que je vais prendre mon magenta avec un peu de violet là, je voulais Et là je suis au loin, fait que c'est sûr je prends avec ma, mon violet qui est fait avec le carmin, comme ça ça me fait un effet d'éloignement. Ça donne un effet plus rompu et là je vais aller jouer un peu comme s'il y avait des nuages là-dedans. Je vais lui donner un mouvement qui s'en va un peu de façon oblique. Puis le mix des couleurs, c'est parfait pour le ciel. Là. Puis là, je l'étire juste un peu pour avoir des effets plus diffus, moins épais. À spatule, vous pouvez jouer avec la quantité de peinture justement pour donner des effets d'éloignement. La texture va être importante, ça va vous aider. Et en principe, je devrais finir avec ma couleur coucher de soleil. Et si ça ne marche pas, vous vous dites non, ah, j'aime pas ça. La spatule, ce qui est le fun avec ça, vous pouvez gratter et enlever une bonne partie. Regardez, je n'enlève là. Carrément. Fait que vous pouvez l'enlever. C'est ça qui est le fun avec la spatule. Fait que, tant que c'est pas sec, vous pouvez l'enlever. Si, admettons, je me dis Ah, il y a encore de la couleur, je veux l'enlever, vous avez deux options. Si vous êtes à la clique, vous le laissez sécher. Et si vous êtes à l'huile, juste un peu de tartine et frotter un peu sinon, même là, mettons que ça me fatigue vraiment, je pourrais prendre un pinceau, le frotter, mais ça ne me donne rien. J'ai rien qu'à attendre un peu, ça va sécher, puis je vais être correct. <laughs> fait que je vais me faire un petit fond de couleur. Euh, je, vais mettre, oh, je vais tourner ma, peinture, ma palette, Attends un peu, pour la dernière petite touche, puis je vais vous la revirer après. Alors, il faut que j'essuie mes spatules. La, la chose, ce qui est super important là, pour quand on peint la spatule, tenez-vous un bol d'eau pas loin. Pour le tremper dans l'eau un peu. Juste tremper un petit peu parce que sinon, ça sèche vite. Hein? Super important. Dégainer en masse. Ça va vous prendre ça. Alors, on va prendre. Elle dit, je suis. super, on a vu plein de conseils. Oui, n'oubliez pas de me poser vos questions pour ce soir pour le direct. Ce soir, il y a un direct. Euh, je fais mon tirage pour ceux qui viennent juste d'arriver avec nous. Je fais un tirage euh, de, du boîtier d'aquarelle. Euh, de plein air. Il est tellement beau, ce petit boîtier-là. Ça a été mon petit coup de foudre récemment, ça. Et, euh, et j'ai un autre tirage surprise à faire pour vous. Ça, c'est mon direct de ce soir à 7 heures. Ça ne sera pas une démonstration. On fait le tirage. Puis je vais répondre peut-être à quelques questions que j'aurais vues dans le chat que je vais choisir au hasard. On va voir. Et. Toutes les mardis à 1h30, je vous fais un direct comme ça. C'est jamais pareil. Des fois c'est des démos, des fois c'est je vous parle de produits, ça dépend. Vous pouvez aller voir les, les, les anciens directs, vous allez le voir. Euh, OK, là je vais me faire de quoi de un peu ocre, c'est comme une fin de journée un peu. Euh, fait que je vais mettre un peu de ocre, mais je veux quand même l'avoir lumineux. Fait que je me mets un ocre un peu lumineux. Je le veux un peu qui tire un petit peu sur l'orange, fait que je me prends légèrement du magenta. Fin de journée. Juste voir ma couleur, qu'est-ce que ça dit, s'il est à mon goût. Il faut toujours gérer la couleur au début, hein, avant de mettre dans le médium. Tu sais, tantôt, j'étais juste dans du bleu avec un peu de blanc, ça, ça va. Mais quand vous voulez faire des vrais mix, les médiums, ce qui arrive, c'est qu'ils sont laiteux, hein, ces couleurs un peu blanchâtres, ça va influencer la couleur. Fait que vous êtes mieux de régler le mix de couleurs avant. Et après ça, embarquez votre médium dedans. Alors là, moi, je m'en garde. Je me mets un petit peu de blanc dedans aussi. Le blanc à la fin. Et si vous voulez redonner un peu de vivacité à votre mix parce que ça grisonne la couleur, juste mettre une goutte de jaune à la fin. Ça va redonner un petit oomph à votre couleur. Vous allez voir. Je, vous ne le voyez probablement pas, là. Mais c'est sûr que ça va faire quand même une petite goutte de rose. De fuch... magenta. Magenta en passant, qui est la couleur pantone de l'année. Hein? Ça va être la couleur Fuchsia. Oh, j'adore. <laughs> c'est ma couleur préférée depuis tellement longtemps. Eh oui, hein? la spatule, ça fait longtemps que j'embrasse la couleur. Depuis le temps, hein? c'est ma spécialité, les couleurs. Ma force, c'est les couleurs. Fait que. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <laughs> la spatule puis le pinceau, apparemment. Il se fait aller quand je peins. hein? Alors là, je reprends mon soft gel gloss de Golden. Gel gloss brillant. Fait que c'est sûr que cette toile-là va être brillante. Et hey, puis, je viens d'avoir une idée à part ça. Je vais peut-être la faire tantôt. Je vais voir. Fait que là, je me mets mon gel gloss parce que ça va me permettre de mettre plus. Je vais pouvoir l'étirer un petit peu plus. J'en manquerai. Tu sais, je ne manquerai pas trop. Fait que là, je le sais, j'ai mis du gel dans celle-là. Je vais voir la quantité. Si jamais j'en manque, mon mix, il est pareil, puis mon gloss, il est juste là. Je le prends. Regardez, j'y vais comme ça, sur le côté. Et là, au début, je n'ai pas besoin de frotter bien, bien. Mais il me manque un peu de peinture, fait que je vais juste baisser un peu ma spatule tranquillement pour en mettre un peu plus épais. Dans le ciel, je vous avais dit, je ne voulais pas trop de texture. Fait que j'en mets épais, mais pas trop non plus. Je ne veux pas de texture pour le, le ciel. Je veux vraiment sentir une différence entre mon ciel et la mer. On va, on va le tourner tantôt. J'ai hâte de voir l'effet là. Fait que là, comme ça. Et là, mon ciel de un petit peu de jaune et beaucoup de blanc. Pour le haut du ciel. Un petit soupçon de mon jaune ocre, mais je veux principalement de jaune. Et là, je vais mettre mon médium. J'avais-tu d'autres blanc ah. je vais prendre mon blanc que j'ai ça la palette déjà. Ah oui, c'est beau ça. Un petit, ça va me faire. Ben je viens de me faire un petit jaune de Naples. Si vous ne connaissiez pas le secret pour faire du jaune de nappe, si jamais vous n'avez pas, là, si vous êtes à la maison, vous voulez du jaune de Naples, vous n'avez plus, là. Prenez votre jaune ocre. Vous avez vu ce que j'ai fait? Vous mettez bien du jaune dedans. Ou vous faites l'inverse, une petite goutte de ocre dans du jaune et vous mettez beaucoup de blanc. Vous allez avoir votre jaune de Naples. Alors là, je veux pas trop que ça soit pareil. Et j'y vais ici. Je vais les mixer. Puis j'écrase un peu ma spatule. Ça mixe un peu mes couleurs. Yes. Et là, je vais aller me faire un petit rappel de ces couleurs-là ailleurs. Fait que je vais faire exprès. Non, je vais prendre ma plus petite spatule. Rendue à ce stade-là, -là, c'est ma plus petite que je veux. Tu sais, je vous disais, avec la petite spatule, là, on peut aller faire des petits rappels. Puis on a plus de contrôle. Fait que là, je vais juste aller me faire des petits éclats de mon jaune de temps en temps dedans mon, mon écume ici. Oups. Juste en mettre un peu. Puis je vais me faire des petits splashs un peu qui revolaient. Ouf. J'y étais fort. Je vais le glisser un peu. <laughs> Pas grave. Je vais revenir avec du rose un peu par-dessus tantôt des petites euh, touches. Puis je pourrais euh, y aller avec euh, le bout d'un pinceau aussi. Tu sais des fois euh, vous avez les petits euh, pinceaux comme ça en caoutchouc là, c'est pour peindre ça. Il y en a gros qui savent pas là, mais ça sert à peindre. Fait que vous pouvez aller faire des petits coins relever des puis vous pouvez aller sculpter dans votre peinture là. Vous n'êtes pas obligé juste de mettre de la peinture, vous pouvez l'étirer, faire des petits trous dedans, faire des splash. Et je pourrais arriver puis gratter aussi. Mais là, j'ai pas vraiment le goût là, de gratter. Mais où est-ce que je pourrais gratter? Ah, tiens, je pourrais... Ouais, je préfère ici, tu sais. Juste aller gratter un peu. Tiens, juste avec ça ici, me faire des mouvements. Oui, oui, tu as les points d'or, pareil. Là, là je ne vous fais pas une toile parfaite. Je vous montre un peu comment utiliser la spatule aujourd'hui, ma belle. <laughs> Sylvie. Sylvie, a dit les points d'or. Hey, non, non. Mais, euh, écoute, c'est sûr qu'on a les points d'or. En abstrait, euh, définitivement. Tu les as aussi, là. Tiens. Là, je pourrais jouer là-dedans. C'est juste aller... Euh... Tu sais, si je veux me rajouter un point d'or, je pourrais me rajouter de quoi ici ou des éclats. Souvent, ça va être des éclats que je vais me faire. Là, je regarde mes couleurs. Tiens. Je vais me prendre ça. Et je pourrais arriver juste me faire... Quelques petits spouches de très euh, contrastant dans l'eau ici. Déjà, juste à cause des contrastes, je viens de me créer quelque chose au niveau du point d'or. Tiens. Donc, déjà, on attire l'œil là. Puis ici, au loin, ce que je peux faire, tiens, je vais l'arranger. Euh... J'ai-tu du brun Je vais juste voir. J'ai pas sorti toutes mes couleurs, mais d'habitude, j'ai au moins mon terre de sienne. Même pas. J'ai pas sorti mon terre de sienne, parce peut quasiment pas. Ah, elle me semblait aussi. <laughs> un petit terre de sienne. Évidemment, je ne pourrais pas vivre sans mon terre de sienne brûlée. Si vous n'avez pas de terre de sienne brûlée dans votre coffre à peinture, ça vous prend un terre de sienne brûlée. J'ai quoi, là, comme qu couleur Ah, tiens, j'ai un bleu ici, terre de sienne, je vais faire un gris. Pourquoi Parce que. Je pourrais vous donner un cours complet là-dessus, mais sincèrement, le terre de sienne brûlée, vous pouvez faire tous les types de bruns que vous voulez à partir du terre de sienne brûlée et de vos trois primaires. Fait que là, je me fais, je me suis fait un gris brun presque. Fait que je pourrais arriver, tiens, euh, hmm, je vais juste penser là deux secondes. Où est-ce que je vais le mettre ici, tiens Fait que je peux me rajouter un petit contraste, me faire un petit style au loin, tiens. Viens d'attirer l'œil par là. Puis je peux aller me faire, euh, tiens, pourquoi pas, du sable. Ah oui, je pourrais arriver carrément avec euh, mon terre de sienne. Dans le sable avec un peu de blanc dedans pour qu'il soit plus pâle. Mon jaune. Fait que tiens, je peux me faire un peu de sable ici. Comme si on est sur le bord de la plage, là. Tu sais, la plage commence. Fait que je viens de. Fait que vous pouvez vous amuser. On a fait quelque chose de semi-abstrait, puis peu importe, là, tu sais, je peux... Puis, vous pouvez juste laisser sécher ça et revenir pour faire la finition un peu plus tard, tout simplement. Mais amusez-vous, regardez les textures. J'ai pas utilisé un paquet... Tu sais, j'ai pas passé toutes mes tubes de peinture, là. Puis, regardez la texture. Check J'en ai mis de la texture. C'est vibrant, là. On s'entend, là, je trouve que j'en ai un peu trop, mais en même temps... J'aille pas ça, puis ce que je vais faire, quand ça va être sec, je vais juste aller légèrement frotter avec du presque blanc pour l'écume ici, ça va être super beau. Et pour ce qui est sur le rebord, je préfère attendre que ça sèche. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, puis là, check bien ça, je vais vous montrer pourquoi, puis ça va bien aller ce fois-ci, mais quand on y va ici, là, regardez bien ce qui arrive. C'est que si je le frotte, là... Ça va faire un rebord ici, ouais, c'est ça je pensais. Ça, on le voit presque pas, mais là ça nous demande de refaire des retouches puis ça finit toujours que. Fait qu'on on est mieux d'aller sabler quand c'est sec. Moi je trouve que ça va, ça nous évite de scraper un peu la toile. Et si vous vous aimez le résultat puis vous dites, hey, moi je l'aime comme ça, je veux plus y toucher, vous pouvez utiliser ces petits outils là qui sont vraiment fantastiques, c'est rond. Vous trouvez ça partout, le chez de n'importe où. Et vous pouvez signer votre toile. Regardez, juste en enlevant la peinture. Fait que je peux, comme ça, enlever de la peinture. Je me trouve à sculpter dans la peinture. C'est sûr, c'est moins évident. Ça paraît euh, un petit peu moins. Mais regardez, j'ai comme gravé un peu mon nom dedans. Et vous le voyez. <laughs> fait que tu sais. Puis, vous pourriez faire des détails aussi avec ça. là, Mais ça, c'est vraiment le fun. Si vous ne saviez pas à quoi ça sert, là, vous le savez. Alors, je sais pas si vous avez apprécié. encore... <laughs> Nancy Richard a dit, j'ai encore appris du nouveau. <laughs> je suis contente de vous avoir appris autre chose de nouveau. Des Inktense. Ah oh, oui, Joanne. Moi, j'ai un petit kit de Inktense. Hein. Il y en a qui vendent avec... C'est le fun avec les textures. Ça fait changement. C'est le fun, j'ai lâché prise, c'est rien de stressant. Puis je vais vous le dire, tu sais celle qui a, je sais il y a des, des artistes qui aiment peindre rapidement, qui aiment peindre très très vite. Avec ça vous êtes gâtés là, vous faites une toile assez rapidement là. Hein? On passe pas trois semaines là-dessus. <laughs> Et comme je vous dis, idéalement avec les médiums ça va tellement mieux, ça va vous coûter pas mal moins cher de peinture. Vous pouvez aussi utiliser euh, la peinture d'acryl avec ça mélanger. la peinture d'acryl, la gouache acrylique. Vous pouvez l'utiliser avec ça. C'est vraiment le fun. Si jamais vous avez besoin de vous procurer des produits, vous pouvez les acheter chez Dessert. J'ai mon code promo, c'est Roger21. Vous pouvez le dire verbalement ou euh, l'utiliser sur le site Internet. Les deux fonctionnent partout au Canada. C'est Roger21. Vous allez sauver 10% sur n'importe quoi qui est au prix régulier. Puis euh, c'est ça. Fait que ce soir, je vous fais tirer le petit coffret. Comme ça, d'aquarelle. Il faut juste avoir écrit euh, votre... ce que vous souhaiteriez, votre plus grand rêve. Ben, votre plus grand rêve, On ça dépend, là. Mais ce que vous aimeriez le plus avoir comme article de peinture ou de, de beaux-arts, peu importe, c'est quoi votre rêve? À quoi vous rêvez secrètement euh, au niveau des produits artistiques? Ce soir, je fais tirer ça, peu importe où vous êtes. Et... Les microbilles. Utilisez-vous les microbilles? Oh non. Euh, ah euh, oui, j'ai déjà. Ben, utilisez-vous. Euh, je l'ai acheté par curiosité. J'ai déjà essayé. J'avais fait quelque chose qui était comme en verre. C'était super beau. Ça faisait l'effet comme. En tout cas, c'était le fun, ça. Microbilles, j'ai déjà utilisé. C'est le fun aussi. Ça fait une texture complètement différente. Je pourrais le faire. <laughs> Lila a dit 1h du matin. Mais oui, ma belle Lila, je suis désolée. Euh, Il faut que je le fasse pour tous les horaires. Hein? Puis, moi aussi, je dors des fois, mais ouais, pauvre Lila, tu pourras voir la rediffusion. Puis, euh, ça t'empêchera pas de gagner si jamais c'est toi. <laughs> Toutes les teintes d'encre, alcool. Hé, oh my God, tu vas avoir du fun, Odette. Hey, Odette, pendant que tu là, tas tu vu la question tantôt à propos du pouring? Il y en a qui voulaient la recette de comment faire du pouring. Si jamais tu l'as, là, pour le faire maison, je pense. Je pense que c'est ça que j'ai vu comme question. Si jamais tu l'as, tu me nous, tu nous l'enverras, puis je la partagerai. Euh. Oui, continuez de le mettre. Merci pour vos étoiles. Vous êtes super fines. Merci Claudine. C'est gentil. Alors, euh, c'était euh, tout pour aujourd'hui. Cette semaine, je donne trois jours de formation gratuite sur la couleur, Maître des couleurs, une masterclass à 10h30, jeudi, vendredi et samedi. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas disponible, vous avez juste à vous inscrire et vous allez recevoir la rediffusion. Euh, puis vous allez recevoir la rediffusion là, dans la semaine qui va suivre, euh, que vous allez pouvoir regarder pendant 30 jours. Alors, je euh, gênez-vous pas pour vous inscrire. Le lien, y est sur ma page Facebook, Céline Roger, artiste peinte, et vous l'avez aussi, le lien, euh, sur ma page YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma page YouTube, allez vous abonner, comme ça, vous allez recevoir des notifications chaque fois que je suis en direct. Et après ça, ben, vous allez pouvoir le regarder de Facebook ou YouTube, comme vous voulez. Alors, là-dessus... Je vous souhaite une belle fin de journée. On se reparle à 7 heure pour le tirage. En fait, j'ai deux tirages tantôt que je vais faire. Donc Caroline a dit J'aimerais bien avoir du Père Noël, des rouleaux de toile. et hey, pas des toiles, des rouleaux. Hey, let's go, Caroline, on y va à la caisse. <laughs> à fond, là. <laughs> ah, des pinceaux de qualité. Ouais, les pinceaux de qualité. Si tu cherches des fois là, la qualité. Euh, les pinceaux Nobel, moi, je les aime beaucoup. Euh, les pinceaux euh, plats, là. Cette gamme-là, 81 et 10B, là. 9110B, là c'est mes préférés. Ça fait 20 ans que je peins avec ça. Ils vont tellement bien, ils ne sont pas dispendieux. Et les pinceaux Raphaël que j'adore. Tu as la marque Windsor ou Newton qui font une belle qualité. Il y a plein de belles qualités, là, mais dans mes top 3 préférés, c'est ceux-là. Alors, est-ce que ces trois jours font partie de Mastercard? Euh, ceux qui sont déjà maîtres de la couleur, qui ont déjà acheté le cours Maître de la Couleur, parce ben que c'est un cours avancé, vous allez avoir les rediffusions dedans votre formation. C'est sûr et certain vous êtes maître de la couleur, vous allez avoir accès à ça, c'est sûr, ils vont être dedans. Puis vous autres, vous allez l'avoir parce qu'il est inclus dans le cours. Alors, si jamais vous cherchez à vous améliorer en peinture avec les couleurs et à comprendre tout ce qui est contraste, couleur, perspective, luminosité, j'ai mon nouveau cours puis là je vous fais une classe de maître de trois jours gratuitement. Ah, tu as des goûts dispendieux, Lila. Oh, elle a parlé de son lapis lazuli, j'imagine. Aïe aïe aïe. Alors, euh, je vous laisse là-dessus tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle à 7h. Bye bye.